Et bonsoir tout le monde. Installez-vous tranquillement et confortablement devant ce live de qualité. Désolé du retard. User entered your channel. Désolé du retard, il y a quelques petits pépins encore comme d'habitude. Hein. J'ai le jeu qui s'est fermé, j'ai le TeamSpeak qui crash. Au moment où je devais lancer, donc. Donc voilà, hein, comme d'habitude, hein, des petits pépins. Donc walou. Et salut. Big Boss, comment vas-tu? Du coup, il faut que j'aille sur mon gestionnaire de stream parce que je ne vois que dalle de ce qui se passe sur mon retour live. Bah écoute, moi c'est plutôt bien, à part les gros pépins qu'il y a entre le jeu qui se ferme tout seul, le live qui arrête de fonctionner et le TS qui crash. Sinon, par ça, tout va bien, hein, évidemment. Alors, Twitch. Twitch, hein, on va aller sur le gestionnaire de stream. Où est-ce qu'il est? Ah là. Gestionnaire de stream. Impeccable tout ça. Bon bah du coup je vais fermer celui-là et puis. Bon là-dessus j'ai tout. Hop là. Du coup j'espère que vous êtes tous bien. J'espère que pour ceux qui ont regardé le live de Jess ou le mien hier ou l'Ardif, vous avez apprécié la discussion qu'il y a eu entre moi et lui au sujet du fils. Bien évidemment, les trois quarts des choses qu'il m'a dites c'était du bullshit. Hein, très clairement je l'ai ressenti puissance 10 000. Donc voilà. Donc voilà. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Hein. Que ça va donner, parce que ce truc clairement qu'il a d'autres projets. Hein. Il y a d'autres projets, très clairement. Que ce soit même hors fils. Donc voilà, alors attends, parce que j'ai des gros pépins ce soir sur le. Le truc voyons voir est-ce que c'est ouvert ça aussi ah ça c'est normal tu vous dis pas tout c'est normal c'est normal c'est pour le suspense évidemment avoir un peu de suspens comme dirait certains. Suspens. Donc ça serait trop simple. Et donc il n'y a plus rien qui fonctionne en fait. Et merci du coup Kazikawa pour ton follow. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Ah mais très clairement, hein, de toute façon tout ce qui est dit tout tout ce qu'il fait c'est millimétré c'est étudié à toute parole qu'il dit de toute façon c'est étudié pour faire croire quelque chose donc voilà et j'aimerais bien que mon autre logiciel fonctionne ok puis rien ne fonctionne voilà bon ok. Donc les alertes sur ce live ce soir sont HS. Voilà. Le compteur de spectateurs est HS. Donc je ne sais pas combien vous êtes malheureusement. Tant pis, c'est pas grave de toute façon. Donc les alertes c'est HS, c'est génial. Et bonsoir Santiago. Hola hola, comme dirait certains. Voilà, Hermano, hein, comme disait Elko. Bienvenue à toi, installe-toi tranquillement aussi. Donc bon, rien ne fonctionne ce soir, c'est magnifique. On est bien parti. On est bien parti du coup. Ah, pas de téléphone, évidemment, j'ai rien du tout sur moi.
Du coup, il y a 10 minutes, j'étais déjà sur le serveur, donc j'ai répondu à quelques messages. Bon, c'est intéressant, je vais regarder du coup, envoyer un message à Monsieur Germain Toussaint. Je vais dire que évidemment, je n'avais pas du tout gobé ces salades d'hier soir et que je me doutais très clairement qu'il allait y avoir une suite. Donc voilà. J'ai tout pris là. Ah, j'ai tout pris, ok. Du coup, Stark m'a envoyé un magnifique message. Stark va être procureur et il m'a demandé d'être son adjoint ou bientôt son adjoint, enfin, à travailler au bureau du procureur. Je pense accepter très clairement. Mais tu vois, c'est pareil, tu vois, du coup, ça déjà, sur Germain, c'est le premier à le dire. Être en couple, c'est quand il disait ça déjà, c'est une faiblesse, c'est un point faible. Et qu'est-ce que fait le grand patron, tu vois, de toute cette réaction? Il se met en couple. Donc évidemment, d'une, c'est pour brouiller les pistes, et de deux, du coup, ça lui sert de couverture, très clairement. Parce que qui aurait douté qu'un père de famille irait faire des choses pareilles, tu vois? Et même rien que pour nous, au fils, on se dit, bon, bah, du coup, enfin, c'est ce qu'on pourrait se dire. Même si moi, je me doute depuis bien fort longtemps que l'indépendance, c'est qu'un pion sur l'échiquier, comme je vais dire. L'indépendance, c'est un pion sur l'échiquier géant avec lequel il joue, quoi. Donc voilà déjà. Rien que ça. Il n'y a pas fait ça pendant 15 ans, tu vois. Le fait qu'ils me disent qu'il a fait ça pendant 15 ans, ça c'est sûrement vrai, je pense. Le fait qu'il organisait tout ça depuis 15 ans, c'est très clairement sûrement vrai. Le fait qu'il s'arrête à l'indépendance, c'est très clairement sûrement très faux. On va pas se le cacher. Voilà. 15 ans pour préparer juste l'indépendance, c'est moyen limite. Pareil, quand je lui parle de Douli hier, moyen limite aussi. Oui, j'ai voulu sortir avec elle. Oui, bien sûr, oui. Je sais pas trop ce qu'on m'a dit de ce qui se passait en monarchie, mon petit, hein. C'est étrange tout ça. C'est étrange, c'est étrange. Donc je reste sur mes gardes, je vais aller voir Stark. Dès que Stark est dispo, je vais aller voir, discuter avec lui. Parce que bon, on est quand même des anciens militaires, donc on se comprend. On sait de quoi on parle, et donc je vais aller avec lui. Je vais quand même garder un œil sur tout ça, hein, très clairement. Hein, même si je fais partie du fils, et je vais jeter mon petit regard droite à gauche en mode bon, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prépare en coup foireux et fourré? Parce que très clairement, je pense qu'au fils, ils m'ont pris parce qu'ils pensaient que j'allais être un très bon soldat qui allait écouter les ordres. Certes, évidemment, dès le phare, j'étais un très bon soldat qui allait écouter les ordres. Mais derrière, c'est plus qu'un soldat quand même. Hein. Comme je disais au début, hein, le nerf de la guerre, c'est l'information et la contre-information. Donc quand tu fais quelque chose, tu récupères des informations et tu donnes des contre-informations pour récupérer plus d'informations. Pour ceux qui ont suivi, ben, bravo. Hein. Donc voilà, je suis en train d'écrire sur mon téléphone. Je suis en train d'essayer d'écrire sur mon téléphone comment lui marquer sur le message, parce que c'est quand même un message assez long. Donc voilà. Dès que j'aurai fini de taper tranquillement, je l'enverrai, parce que là c'est. Il faut que je fasse des tournures de phrases et compagnie, enfin un truc de dingue, évidemment. Donc voilà un petit peu. Pour ceux qui ont regardé un peu l'Ardiv, hier j'ai donné le dossier de l'armée à Leroy aussi.
Donc j'espère le voir ce soir parce que du coup je vais apporter un nouveau point en plus sur le dossier. D'ailleurs que j'aurais pu taper sur le dossier tant que j'ai partagé avec lui. J'aurais pu. Je verrai ça ce soir. Je vais appeler, tiens, je vais appeler. Appeler la secrétaire. Je sais pas si elle est là, mais. Tant pis. Du coup, on va travailler un petit peu, hein, pour changer. Pour changer, parce que je travaille pas souvent en fait. Très clairement, je ne travaille pas très souvent. Là, en tout, j'ai 10, 20, 30. J'ai fait 30 courses et j'ai 90 $ de VIP. Donc 3 courses, très clairement. Donc c'est pas top top non plus. Donc, cœur qu'il est. Il est déjà 20h30. Déjà 20h30 en fait. Je vais aller à la mairie. En fait, je pensais pas qu'il était déjà si tard. Déjà faire le plein et on va aller à la mairie. Je passe aussi au Les Speedy d'ailleurs. Pour voir où ça en est mon histoire de saisie. J'ai quand même 35 000 $ de saisie. Hein. Ah ouais, mais en plus qu'il y ait des très très bons joueurs sur le serveur, il y a des très bons streamers aussi. Et j'en ai découvert certains grâce à l'Altimedia, enfin c'est comment qu'ils appellent ça, je sais plus. Enfin le truc là sur le forum. Ça regroupe tous les streamers du serveur. Allez, bon déjà, toi la police. On va essayer de récupérer les 35 000 $ de la saisie, en espérant que la saisie se fasse bientôt. Ah putain, je roule comme un connard aussi. Il faut que je fasse gaffe aux flics parce que les flics ils sont un peu vénères en ce moment. Ouais. Bah il y en a pas mal, je pense qu'ils attendaient. Ils ont attendu pas mal de temps avant de venir. Merde, il faut que je tourne là. Ils ont bien potassé le background, bien potassé leur perso aussi, donc donc voilà. On a des personnes de qualité évidemment sur le serveur. Hein. Hop là. Ah, salut Teresa, comment ça va? Oh, mais écoute, moi plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Ouais, je vais voir s'il n'y a pas un lieutenant ou un inspecteur de dispo pour une affaire de saisie. Ah, bah écoute, ouais, je vais attendre là, y'a pas de soucis. À tout à plus tard. Au moins, voilà. Soir. Impeccable.
Ou un loup. Quoi d'autre, quoi d'autre? Effectivement, effectivement. Puis pareil, hein, généralement, voilà, on fait un... Même pour les persos qu'on crée, hein, tous, je pense qu'on doit faire à peu près tout ça. Et voilà, on a le background général du perso et on l'affine et on le détaille au fur et à mesure des événements qui se passent, quoi. Donc, ah, j'entends quelqu'un qui marche. Ok, d'accord. Bah heureusement que j'ai appelé quelqu'un au speedy, hein, le mec il est en dessous, il se barre. On va faire un... Speedy, bon... Quoique, dans les sirènes pleines balles là. Les sirènes pleines balles, donc est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est pas eux? Grande question. Monsieur, bonjour. Eh bonjour, sergent, comment allez-vous? Et vous? Ah bah ça va, ça va, ça va. Du coup, je venais pour savoir. J'ai une procédure de saisie qui a été faite dans le compte de monsieur TPS. Et du coup, je veux savoir où est-ce que ça en était. Ça date de quand? À date de lundi, normalement. Lundi. Je crois, hein, je sais plus Qu'est-ce qui a trop. été saisi? Alors pour le moment je sais pas. Parce qu'en fait il me doit 35 000 dollars en tout. Donc il y a une procédure qui a été faite par le bureau du procureur. Transmise je sais pas à qui ici, quelqu'un. Donc je venais voir où est-ce que ça en était, savoir si le dossier avançait ou pas. Et savoir un petit peu s'ils avaient une date pour tout ce qui était saisi et compagnie, quoi. Donc voilà. Alors attendez, je regarde, parce que j'ai pas entendu parler de ça. Hein. Parce qu'il vous doit 30 000 dollars par rapport à une info. Ah bah en fait je lui ai fait un prêt de 30 000 dollars. Ouais. Donc il devait me rembourser en tout 35 000 dollars, donc avec 5 000 dollars Avec d'intérêt. les intérêts, ouais. Donc j'avais fait tous les papiers juridiques qu'il fallait. Et cette personne est introuvable depuis maintenant 5 semaines. Et ça fait déjà un mois et demi qu'il doit me rembourser. Donc voilà, normalement il y a une procédure de saisie pour saisir tous ses véhicules, ses biens et compagnie qu'il a garé à droite à gauche. Donc voilà. Alors là actuellement j'ai pas d'infos, je vais voir avec un inspecteur s'il a des infos. Attendez, je vous laisse Ok. patienter. Tac tac tac. Hey, salut Thiego, comment vas-tu? Comment tu installes tranquillement? J'espère que vous avez tous passé une bonne journée aujourd'hui. Excusez-moi, je Ou vous laisse l'après-midi. deux petites Oui, pas minutes. de problème, pas de problème. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Hein, en ce vendredi. Oui, vendredi. Peut-être les vacances pour certains. Je sais qu'il y en avait, c'était les vacances aujourd'hui, ce soir. Je ne me trompe pas. Il y en a qui m'ont dit que c'était là, qu'ils étaient en vacances à partir de ce soir, donc voilà. J'espère que tous ceux qui. Parce que, bah, impeccable, si tu bosses que lundi, ça te fait un magnifique week-end. Magnifique week-end. J'espère que pour tous ceux qui passent pareil, les examens là, pour tous ceux qui font les. Fin d'année, les examens qui sont là normalement, je crois, si je me souviens bien. Ils font des. Comment ça s'appelle? Les prépas et compagnie et les examens là, je crois. Il va y avoir pour ceux qui passent le bac, ça va être bientôt aussi, hein, je pense. On est en mai, ouais, ça va être le mois prochain, grosso merdo. Ça va être fin juin, je me souviens bien. Ça remonte à quelques temps pour moi, mais bon. Alors que pour ceux qui y sont, hein, vous révisez bien, compagnie. Voilà. Et comme stylé cette magnifique voiture. Aston Martin DB5, je la surkiffe.
y a très très peu de. Non, non, ça, alors ça, c'est ma toute première voiture. C'est ma toute première voiture quand je suis arrivé sur, quand je suis arrivé sur le serveur. J'ai travaillé pendant une semaine. En fait, j'avais 3 semaines de vacances. Et pendant une semaine entière, j'ai. T'es service mec. Bonjour. Ouais, t'es service mec, ça va. Y a pas un conduit dispo, le mec? Ah, si, 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 faut voir avec Teresa ou lui demander qu'elle vous appelle quelqu'un. Ils Putain, vont. merde, parce que j'ai volé un carte et j'aimerais bien faire une course avec eux, ces bouffons. Ah, c'est pas grave, vas-y, vive le roi. Ouais. Bah, si vous avez. D'accord. Oui, monsieur Delfarge. Oui, appelez-vous. Et vous avez une patrouille, une unité en patrouille ou pas là? Affirmatif. Il y a un mec qui est en carte qui vient de passer. Il m'a dit qu'il venait de voler le carte. Il s'est en fait arrêté. Il m'a dit de me dire qu'il avait volé le carte. Il vient de partir là à l'instant. Pour les unités qui sont en patrouille actuellement, le carte qui a été dérobé vient de passer devant le PDP. Il est parti en direction gauche, unicorn Il et est parti compagnie. en direction de l'est. Il est parti en direction de l'est. Donc, ouais. Donc il a un chapeau de police, hein, il est à poil et Un chapeau de police. ouais bah le képi, hein, képi de Il est police, d'accord. il est en slip avec la ceinture de police, hein, Ah oui, donc c'est bien celui qu'on a vu. voilà. Vous avez pas reconnu la personne? Un monarchique parce qu'il m'a dit où était Sarius, donc D'accord. Ok, ça marche. Bon, bah, il y a des patrouilles qui repartent. voilà. Ouais, bah bien. Alors, je viens de regarder, du coup, en fait, c'est une lettre d'un procureur qui est arrivée. Du coup, suite à votre demande, pour saisir pour un montant total de 35 000 dollars. C'est On est ça, bien c'est ça. d'accord. Et c'est le lieutenant Pride qui a reçu la lettre, donc Ok, je bon, verrai je pense avec que c'est lui lui qui pour te doit voir en gérer. tête. Ok. Très bien. Bah écoutez, oui, dérangez-le pas, je recontracterai le début de semaine prochaine. Bah, il risque peut-être d'être là ce soir, donc s'il est là ce soir, je lui dis de vous recontacter si vous êtes là. Oui, je suis là, non, c'est pour savoir si du coup il avait déjà voilà, des informations sur comment il allait se passer la saisie, quoi. Savoir si je devais être présent, si le procureur devait être présent. Voilà, c'était sur tout ça quoi. Alors la saisie, normalement, la personne concernée est censée être présente. Ouais, ça va être compliqué, je pense là. Ouais. Au vu des faits, on va peut-être prendre, parce qu'en fait là, une perquisition, ça se fait de manière à soit la personne présente et la personne concernée est présente, soit c'est deux témoins. Oui. Donc à la limite, on prendra deux témoins. Ouais, bon, le procureur et son adjoint, et puis ça finira, ça sera bon. Ouais, voilà, procureur, maire ou un truc comme Et ça, ou peut-être une mairie, bonsoir Tito, comment vas-tu? et derrière ils pourront vous dédommager sur le montant total. Oui. Impeccable. Bah, c'était génial. Voilà. Eh bien, très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Bah, pas de soucis, Une bonne soirée. Et puis monsieur si je Delfarge. revois le carte, hein, je marque carte sur le message et puis voilà. Ouais, ça marche. Ça marche. Eh bah, Et merci, allez, monsieur bonne soirée. Delfarge. Bon courage. Au revoir. Putain, mais je suis pire qu'un collabo, moi. Collabo puissance 15. Ah là là, du coup, ouais, bonsoir Tito, j'espère que t'as passé une bonne soirée, une bonne journée. Hop là, voilà, bon. Du coup, ça c'est fait. On va essayer de passer à la mairie. Ah, donc, avec Leroy, il doit pas être en. Je sais pas s'il est en stream ce soir, Leroy. Ok, il était pas en stream, mais il était sur le serveur. Bah écoute, moi ça a plutôt. J'ai passé une bonne journée. Il y a que ce soir, là, en début de stream, où ça a complètement merdé le stream. Hein. J'ai le jeu qui s'est fermé, j'ai le TeamSpeak qui a crash, j'ai Twitch qui m'a dit merde, tu fais pas ton stream, il m'a coupé le stream. Bon, ça va, j'avais rien lancé encore. J'avais juste lancé l'écran d'accueil, mais. Mais voilà. Voilà. Bien par ce bordel, si, il y a aussi, bon, il n'y a plus rien qui fonctionne, hein, j'ai plus d'alerte Twitch, j'ai plus rien, j'ai plus de compteur de spectateurs, je ne sais pas combien vous êtes, enfin si je sais parce que c'est marqué en bas à droite en tout petit, mais il n'y a plus rien, rien ne fonctionne, c'est génial. Donc voilà. Est-ce qu'on a un carte qui s'est crashé?
Ouais, Twitch, un coup ça va très bien, un coup ça merde total, mais bon. Hop, impeccable. S'il va y avoir quelqu'un à la mairie, parce que j'ai appelé tout à l'heure. Quoi que j'ai appelé il y a 30 minutes, donc. Allez. Un truc à boire parce que là je. Bon, hop là, allez, un petit verre d'alcool dans ma poche là, sorti de nulle part. Un truc sorti du cul ça, hein. Voilà. Entrez à la mairie, hop, voilà. Eh bonjour Véronique, comment ça va? Bah impeccable écoute, hein, moi tout va bien, ça roule tranquillement. Donc voilà. Non bah écoute oui, hein, oui bah toujours, hein, toujours, toujours Véronique, hein, effectivement. Eh bonjour! Bonsoir. Eh, comment ça va? Ça va et vous? Ah bah bien, bien, bien. Je prends un rendez-vous pour voir Monsieur Stanford. Bah pour ce soir, je pense que ça sera ok. D'accord, d'accord. 21h30. Oui, c'est bien, très bien. Impeccable. Bien, du coup, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, Ouais, en fait, là, ce que du coup, parce que du coup, j'ai réfléchi à comment faire pour qu'il y ait quand même des militaires des militaires qui soient là, parce qu'il faut quand même un point de vue organisation sur le serveur, il faut quand même qu'il y ait l'entité militaire des mecs, autre que des réservistes. Et du coup, je vais proposer, sur le dossier que j'ai déjà mis, lui proposer autre chose, lui proposer à mon voiture de l'autre côté, lui proposer le fait que de faire comme les réservistes en fait en gendarmerie, de prévoir un calendrier. Et tous les réservistes militaires qui ont fait leur service militaire, on va dire, dans la semaine, voilà, par exemple le lundi ou le mardi ou n'importe quel jour, ils pourront se positionner et du coup patrouiller en militaire. Si on va faire ça peut-être deux fois dans la semaine, tout péter. Deux fois dans la semaine, du coup, tes réservistes patrouilleront avec du coup des militaires de métier. Mais toi, si c'est un militaire comme moi, tu vois, je vais pas faire tous les soirs militaire. Moi, ça me dérange pas d'avoir le job militaire et de voilà tous les deux, enfin faire 2 jours dans la semaine habillé en militaire et de me balader avec des réservistes. Donc voilà, et puis pareil, il faut quand même qu'à un moment donné, les hélicoptères, les entraînements hélicoptères, ou enfin si on en a, et compagnie, faut que ce soit comme des militaires, enfin des vrais militaires. Donc je vais voir avec le maire si ça passe. Donc voilà. Après j'ai quand même réussi à trouver alors. Les pompiers, alors je sais pas, je connais pas du tout trop les pompiers. Je crois que c'est ouais, c'est pareil, les pompiers volontaires, ils font des gardes. Je crois que c'est un peu plus souvent les pompiers volontaires parce que c'est eux qui font tourner les brigades, je crois, les pompiers volontaires. Il y a plus de pompiers volontaires que de pros. Généralement, c'est eux qui font tourner tout le bousin. Quoi. Généralement, t'as. Alors, je sais pas si c'est réellement comme ça, mais moi je sais que enfin, les casernes de pompiers que j'ai à côté de chez moi, c'est quand ils partent en inter, c'est un pro pour deux pompiers volontaires quand ils partent en VSAV. C'est vrai que pompiers, je connais pas trop. Truc sur lequel je me suis pas réellement penché. Là c'est pareil, là c'est le. Je crois que c'est le vrai palais de justice. Hein. Ici, on va s'arrêter. Il me semble qu'ici c'est le vrai palais de justice de Los Santos.
Ouais, ça ressemble vraiment à pas de justice, hein, très clairement. Je sais pas trop ce que c'est comme endroit, mais. Ah là là, du coup, j'étais parti pour faire quoi d'autre, moi je ne sais plus. Oui, c'est vrai que j'étais en train d'écrire mon. Faire le message pour tout ça. Alors. On va quand même un petit peu travailler, gagner un peu de moulin de toute façon. C'est dans 30 minutes. Ouais, 30 minutes, ça va, on a le temps de faire 3-4 clients. Et de parler. Oula, de parler de choses et l'autre. Je me demande améliorer celle-là combien elle va. Quand même. Parce qu'en accélération, elle est quand même. Là, de base, elle est quand même pas mal. Hein, l'accélération. Donc, petit turbo, petit moteur. Moteur 4, je crois. Envoyer du pâté. Puis pareil, hein, pour ceux qui étaient là hier, je sais pas si vous avez aimé le nom que j'ai donné pour l'armée. Là, je crois que Leroy était pas en stream parce que j'aurais bien voulu voir sa réaction. Je vais annoncer le nom pour l'armée. Mais c'était quand même assez sympathique. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, vous le saurez tout à l'heure évidemment. Ceux qui n'ont pas vu et qui ne connaissent pas encore le nom, vous saurez tout à l'heure quand je serai à la mairie avec Monsieur Stanford, qu'on en reparlera. Faut que je me mette sur la radio, c'est vrai. La radio. En silencieux. Eh, bonsoir à tous, Maître Elfarge sur les ondes et sur la route. Oh, bonsoir, mais. Bon. Ah, il faut que j'active le. Si j'active pas le bignou, ça va peut-être pas le faire. Du coup, pareil, je voudrais parler à Stark. Ouais, je veux aussi parler à Stark. Ah. Ah, tu te rappelles plus? Ah, c'est dommage, hein. Dommage. C'est un nom à rallonge, hein. Très clairement c'est un nom à rallonge. Oh, d'accord. Évidemment, ça reste dans le même ton que tout le reste, hein, évidemment. Il y a le fils, le père, le cul. Donc que des acronymes, donc. Donc restons dans les noms à rallonge où on peut faire des magnifiques acronymes de tout ça. Si ça se dit comme ça, je ne sais plus. Ah bon, allez-y, moi je suis à deux bords, non. J'ai pas envie de le prendre, j'ai absolument pas envie de le prendre. Ok, je prends. Lui, j'ai pas envie de le prendre. Deux, je crois que le mec est nouveau en plus, donc tant qu'à faire, autant qu'il les récupère. Et puis, de toute façon. Faire quand même un petit peu de forfaitaire.
même si ça rapporte moins que les VIP. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sans hausse des impôts, ça te complique après. Très clairement. Je vais pas noter, faut que je note. Je vais rayer ça. Après, je sais que bah, voilà, Leroy. Du coup, le père va pas non plus monter les impôts pour. Pour ça, après les caisses de l'État sont très clairement bien fournies, hein, d'après les retours qu'on a, que j'ai eu. Il y a pas mal de pognon dans les caisses. Oh, tiens, hop, là, demi-tour. Ah, si c'est le même mec, ça va m'emmerder ça. Apparemment, il y a pas mal de pognon dans les caisses. Et puis le projet du père, surtout, c'est que, voilà, pendant un an, on est peinard. Pendant un an, c'est-à-dire que les véhicules nous seront prêtés, qu'on va pouvoir acheter tranquillement, petit à petit, les véhicules. Alors que Laura, eux, bah, les véhicules, ils les achètent maintenant et tout de suite, quoi. C'est... Non, t'es un peu dans la merde. Allez, elle dit. Client disparu. Donc, voilà, au début, il faut voilà, acheter les 4x4, là. Les petits véhicules de l'armée, avec le petit camion de transport. Plus ça va, plus t'achètes après les trucs un peu plus gros, hein. Le cargo bob pour faire du transport aérien et puis après le hélico de combat quoi. Ça merde, ça y est, ça recommence, c'est magnifique. Ah, on aime ces streams où tu galères pendant 20 minutes à faire deux PNJ. C'est génial. Je pensais que c'était réglé cette histoire, mais toujours pas. Et puis bon, voilà, on va pas se le cacher. J'essaye de tout faire aussi pour récupérer le commandement de cette unité de militaire, hein, évidemment. Parce que je vais pas rester non plus avocat à vitam aeternam. Hein. Très clairement, avocat c'est une couverture pour pas être emmerdé. Savoir où est-ce que je suis, quand est-ce que je le suis. Avocat c'est j'étais avec un client. C'est secret professionnel, allez vous faire foutre. Oui, effectivement. Alors que là, mon idée, hein, c'est... Vous voulez défendre votre magnifique île. Eh bien, devenez réserviste. Voilà, tu les formes, machin, gratos. Hein. Les formateurs, c'est déjà des militaires de base, donc tu ne vas pas les payer pour former des gars. Enfin, tu les payes pour les services des militaires. Donc, s'ils forment ou que ce soit sur le terrain, c'est pareil. Et pareil, du coup, t'as pas besoin d'avoir 50 tonnes de M4 déjà de sortie. T'en as déjà, voilà, on va dire une dizaine de sorties pour les patrouilles. Quand il y a un pépin, bon bah, t'en prends un peu plus. Et pour éviter de former, enfin de faire des grosses formations tout le temps, tous les mois, enfin non, toutes les semaines ou compagnie pour que tout le monde soit bien, bah, tu fais des petites patrouilles de réservistes accompagnées de 2-3 militaires de métier. On fait deux par semaine, grosso merdo, et puis qui dure, voilà, ça dure 2 heures, faut tout péter. Hein. Pendant 1 heure ou 2, tu te balades, tu discutes de tout et de rien, tu fais le tour des frontières. Ok, c'est pas un de chez nous celui-là. C'est pas un de chez nous. Hop. Bon, là, il y avait jamais de flic ici, on peut rouler plein de balles. Hein. Hop.
Effectivement, effectivement. Après, voilà, la réserve va pas du tout passer par. Dans mon idée, je pense que ça va être pareil pour les rails, on va pas du tout faire passer ça par le cul. Même si ça pourrait être. Ça pourrait être marrant de leur dire félicitations, vous êtes réserviste, voici votre diplôme du cul qui vous atteste. qui atteste votre formation. Ça serait. Voilà, ça serait cocasse, mais bon. Je vous sors un diplôme du cul, enfin tu peux. En plus t'as tellement de rimes à faire, enfin de. Tellement de vannes à faire avec ça. À quelle heure qu'il est d'ailleurs? Il est 5, ça va. En 5 minutes, on a eu le temps de faire 2 PNJ. Ça s'améliore, hein, ça. Allez, je suis à 8 bornes, pas pour moi. 12 bornes. 6 km 4. Tu prends Josh du coup, ouais? Ouais, je prends. Ok, super. Ah oui, d'accord. Il faut que je le marque, lui, comme quoi je l'ai fait. Voilà. 3. 3 en 6 minutes. 3 en 6 minutes, dis donc. J'ai fait 2 par minute, à peu près. C'est honnête. Ouais, un refus, mais c'est normal, le refus c'était le PNJ d'avant. Le même PNJ en fait que j'ai déposé et qui a remonté, que j'étais pas assez loin en fait. Il a un style lui par contre. Quelque chose hein. Parfait, reçu. Ah, je suis à 1 km. Ok, je te laisse, je suis à 5. Action. Non, c'est pas ça, attendez. J'ai. Ah, il faut que je prenne l'autoroute, merde. Merde, merde, merde. 1, 3 bornes, pourquoi? Bah attends, c'était pas marqué 3 bornes tout à l'heure. Il m'a retiré 1 km sur le pas. Voilà, c'est moi qui ai encore mal lu, mais. Quoi cette histoire? Bon, on verra bien. Donc Nestor, n'oublie pas que tu as la radio si tu as simple question. En soi, un rappel à faire, n'hésite pas. Très bien, c'est noté, merci beaucoup. Oui, effectivement, il faudra. Au fait tu lui as donné le message qu'il faut dire en radio s'il a un pépin? Non. Ah bah voilà, ah là là, hein. Et s'il va cuire des fraises alors, hein. Quel message de radio si on a un pépin? Bah c'est bon, c'était mis en place il y a longtemps par Toussaint, ça. Si on a un problème, il faut dire qu'on partait cuire des fraises en monarchie. Ou un truc dans ce style là, je me rappelle plus. Des tomates, pas des fraises. Ah, des tomates, oui, tomates, fraises, on n'est pas loin quoi. Même ma formation, j'ai jamais su ça. Putain, mais faut faire demi-tour là. Ah, vraiment, faut pas faire demi-tour. Il y a un moment, mais tellement qu'on n'utilise pas au final. Oui, parce que bon, hein, on a commis la cristal hier, donc. Ah merde, les normalement, c'est rempli de flotte ça. On va prendre le temps de faire un message à radio. Bah, si on entend tomate en radio, c'est qu'il y a un pépin quoi. Ouais, ou genre un appel ouais. Avec tomate dans le message. Très bien, eh bien c'est noté, je retiendrai la tomate. Eh bien le bonjour. Et si t'entends 22 à la radio, c'est qu'on parle de la. Bonjour, bonjour. Si j'entends quoi, pardon. Bonjour. 22. Bonjour monsieur. C'est 22, plein d'épliques. Bon bah écoutez si monsieur, vous m'entendez à travers votre casque, hein, n'hésitez pas à mettre un point sur le GPS, voilà. Là, je vous laisse prendre, je suis sur la route pour aller chercher le premier appel. Là.
apparemment le monsieur a un petit pépin de. Un petit pépin pour parler, c'est pas grave, hein. On va le déposer, et puis de toute façon on va aller à l'IDIS. Oh, l'IDIS, on a encore le temps de faire. Pas très causant, non, pas très causant lui. Habillé en noir, casque noir. On va se méfier, hein. Ah, il va au garage. Okay. Hop, et nous aussi arrivés, je vous fais la petite facture. Ah, hop, signez ici s'il vous plaît. Et merci beaucoup, ça a été une bonne journée. Pas causant du tout, hein. Là, point de vue discussion, on est sur une discussion sur 20, très clairement. On a connu mieux. Ah ouais, c'est néant sur 20, là c'est je dirais même plus c'est muet sur 10, hein, son discours. On va essayer de faire encore un client ou deux. Histoire de dire qu'on a quand même un petit peu travaillé, quoi, parce que... Au moins il a payé, effectivement. Au moins il a payé. Bon, après j'aurais appelé la police, hein. J'aurais fait SOS, vite. C'est un viol, au secours. Vous êtes venu, hein, clairement. Ah, je suis à 6, à 100, non, à 1000, 1600 mètres. Bah, vu que personne radio parle, je pense que c'est pour moi. Non, hein. Oh, putain, je suis encore radio, c'est bizarre. Donc ce soir à 3. Lélia. Oh, alors attendez, il est sur le ponton? Sur le ponton, je pense. Il est sur le ponton. Dans 30 minutes il arrive. Ouais. Ah, il doit être sur le ponton. Enfin j'espère qu'il est sur le ponton parce que sinon ça va être complexe, hein. Plus théoriquement au ponton j'ai pas le droit de rouler dessus. Il y a une barrière de la police mais bon. On bat les couilles, évidemment. Ah moi je peux pas prendre, hein. Je suis déjà occupé, hein. Bonsoir. Eh hey, bonsoir, n'hésitez pas à monter derrière moi s'il vous plaît, merci. Ouais, t'inquiète. Tu vas bien? Allez, toi. Tu t'appelles comment? Delfarge. Delfarge, bah enchanté, moi c'est Alonze. Ok, enchanté, enchanté. Tu peux m'amener au garage. Ah non, à la fourrière directement, ouais, okay. S'il te plaît. Ça te dérangerait d'enlever la radio? Je suis désolé. Ah, oui, effectivement, je vais enlever, alors attends. C'est vrai que moi j'ai c'est vrai qu'avec l'oreillette de la radio LSTS, c'est vrai que je pense jamais à couper la radio. Ouais, pas, moi elle m'éclate souvent les oreilles en rentrant dans les taxis. Ouais bah... Donc voilà. Ta soirée se passe bien? Ouais, c'est tranquille là, t'es mon... 1, 2, 3ème client.
T'as commencé il y a longtemps ? Oh non, il y a quoi ? Il y a peut-être une heure ou deux, grosso merdo. Ouais. Trois clients en deux heures, c'est pas fou quand même. Ouais, bah tu sais, tranquillement, tu sais. Mais j'aime pas prendre les taxis, je crois. Bah, surtout que tout le monde a son véhicule, quoi. Donc, à part des personnes, toi, comme toi, où c'est à la fête foraine et ton véhicule à Fourrière. Bah, je suis même pas sûr qu'il y soit, hein. Ça se trouve, j'y vais et après, je vais me balader à pied. Hein. On verra bien, au petit bonheur la chance. Effectivement. Et je fais un malaise, je me réveille, je me suis fait carotte le scooter. Oula, ah oui. Donc j'espère qu'il soit à la Fourrière, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ah, bon, je pense, oui. Ouais, ça dépend encore de ce que t'as fait ton malaise. Si c'était il y a 10 minutes, ça se trouve, les mecs sont encore sur la route avec ton. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, je trouve qu'ils sont peut-être encore en train de récupérer d'autres véhicules en train de gauche. Coup dur. Pour un clochard comme moi, ça fait mal. Ah oui, c'est compliqué, effectivement. Mais je suppose que c'est ton seul véhicule en plus, donc. Ouais, c'est mon petit scooter, quoi. Bah, il y a peu de temps, je me suis acheté une petite Briozo. Ah, c'est bien, c'est Briozo, ça roule bien, ça. Ouais. Petite Briozo rose. Ça a du punch. Ça bombarde, comme on pourrait dire. Effectivement. Et du coup, ah oui, non, du coup, si tu travailles où, toi, du coup ? Je suis un clochard, je travaille nulle part. Ok. Oh, t'aurais pu avoir un petit... J'ai demandé au taxi, mais ta patronne me déteste, donc je pourrais jamais travailler au taxi. Ah, d'accord. Ah oui. Donc, dommage. Ah ouais, compliqué. Mais essaye de... Ça fait un peu loin, quand même, d'ici, mais il y a le TJ qui recrute un non, peu de temps en temps. Non, mais je veux vraiment travailler qu'au taxi, ah, et vu qu'elle me déteste, je travaillerai jamais, du coup. Voilà. Là, monsieur. Oui, bon. Ouais. Bonjour. C'est bon. Impeccable, merci. Bonne journée. Ouais. Ah bah écoutez, monsieur, vas-y, montez. Hein. N'hésitez pas à monter derrière moi, puis je vous emmène là où vous mettez le point. Voilà. Ah oui, monsieur. Bon, bah, je m'en vais. Hein. Ah, faites attention, il y a un mec chelou habillé en noir avec un casque noir qui sort une batte de baseball au niveau de la Fourrière. Bizarre. Hein. Je vais m'en aller très vite, très loin. De toute façon, il est quasiment 20. Attends, je me dirai là. Bonjour. Vous pouvez faire un petit tour au niveau de la Fourrière. Il y a un mec habillé en noir, casque noir, qui a sorti une batte de baseball devant moi. Il est au niveau de la Fourrière, donc si vous pouvez faire un petit tour. Merci. Impeccable, voilà. Collabo jusqu'au bout, hein. Dénonciation, allez-y. Je devrais être payé moi pour faire ça, pour dénoncer les personnes. Demander une subvention à la mairie, moi je pense. Tout sur rien, néon. Al, en radio, j'ai eu un gros souci. Je suis à l'hôpital et je sais pas où est le taxi. Le taxi dernier. TPS. Non, c'est pas TPS, je pense pas. Hein. Je crois vers l'ancienne place des cubes, mais franchement, j'ai un doute. Ok, je vais regarder. Ah, mais je pense que le prochain qui. Ah merde, j'ai pas mis d'essence dans la bagnole. Faut que je vais mettre de l'essence.
Ah non, mais le prochain qui va me demander bonjour, vous avez pas des cacahuètes, des petits trucs à manger, grignoter. Excusez-moi, pardon. Au début, je croyais que le mec allait me piquer la bagnole. Quand je l'ai vu arriver de la droite de l'écran qui est passé derrière, je me suis demandé s'il avait pas me volé la bagnole. Ouais, il m'aurait volé la bagnole, j'aurais sorti le flingue, j'aurais pété les pneus, hein, très clairement. Ouais. Ouh, le SMS. Bizarre. Hop là, hop, petit sport de la journée. Ah, on saute l'escalier. La tenue civile, il faut que je remette évidemment mon arme parce que toutes mes armes malheureusement se barquent. On reprend sa tenue civile. Je voulais mettre le parachute, on sait jamais si plus qu'on tombe d'une falaise entre ici et la mairie. Ah, l'arme de poche, le. Oh, et puis on est pas mal. J'ai fait un peu le tour et ouais, je vois rien. Faut quand même manger 3 burgers pour être à peu près bon quoi. Moi je mange 3 burgers, je suis éclaté, hein. J'en mange 1, je suis calé. 2, bon. 2, les jours de grande faim, mais. À moins que ce soit les cheeseburgers de chez McDo, là tu peux en manger 25 évidemment, mais. Bah, dégueulasse la bagnole. D'ailleurs, j'avais retiré mon. Ouais. Ah ouais, moi un burger maison, surtout que le machin, ouais. Dans le burger maison j'ai 2 steaks, j'ai une bonne rondelle de chèvre, donc voilà, tomates, salade d'oignon, tranche de bacon, ça gale bien quoi. Qui se fait. Il est 21h23. On a 7 minutes pour aller jusqu'à la mairie. Ah ouais, burger maison avec des patatos fait maison évidemment aussi, hein, pareil. Patatos fait maison. Là, on est plutôt pas mal, hein. On est plutôt sur du God Tier version très bon McDo, hein. Pas un truc dégueulasse industriel. Même si leurs McFlurry Kit Kat Caramel sont excellents. On va pas se le cacher. La seule fois que je joue au McDo, c'est pour bouffer des McFlurry Kit Kat Caramel. Tu gars là. Ouais, bizarre. Étrange cette histoire. Ah c'est Hop là, hop, voilà, on bip. Hop, on s'asseoir. Et
Et rebonsoir. Et... J'ai un souci, le maire ne semble pas être dispo. Ah bon, bah tant pis. Je pensais qu'il l'était, mais au final. C'est pas grave, c'est pas grave, je passerai demain, y'a pas de problème. Ouais. Au plus tard, voilà. Bon, bah très bien, impeccable. Stark est pas là par pur hasard. Non, non plus. Okay. Plus tard, je pense, dans la soirée. Ok, ok, très bien. Et bah allez, à plus tard. À plus tard. À plus tard. Bon, bah tant pis. Tant pis. Ils sont pas là. C'est pas grave, c'est pas grave. Je me posais dans un coin, écrire le message pour Toussaint. Et puis ça va déjà pas mal, hein, tout ça. Ça fait 1h16 qu'on est en live, et comme d'habitude, mesdames, messieurs, je n'ai pas mis ma démarche. Et je n'ai pas mis mon humeur de merde. Voilà. Une comète blanche qui est arrivée, et une Aston Martin derrière. D'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en véhicules de luxe et compagnie, n'hésitez pas à me dire ce que c'est du coup la... quel modèle est en vrai pour l'Aston là-bas. C'est l'exemplaire, si je ne me gourre pas. C'est l'exemplaire. Hein. J'ai pas trouvé, moi. J'essaie de regarder un petit peu quel modèle ça correspondait chez Aston Martin. Elle a 4 places, mais pas trouvé de réellement de... de ressemblance avec, ça pas, avec celle qu'ils ont. Il passait sur la radio du fils, moi d'ailleurs. On va se garer à quatre parts. Ah, et pour ceux qui veulent, j'avais complètement zappé, il y a le pourpif. Bon, c'est Aston, mais après, je sais que c'est Aston Martin. Bah, je prends. Mais je sais pas du tout quel modèle c'est. L'exemplaire c'est Aston, mais après... Si vous avez un moment, si quelqu'un peut venir me chercher. Okay. Je vais venir te chercher, t'inquiète. Merci, avec moi. Attends, je vais me mettre comme ça pour voir un petit peu les véhicules qui arrivent. Là, je suis vraiment en mode flic. Hein. Là, je me suis remis en mode position de flic. Très clairement, une voiture qui passe pleine balle, paf, je la chope, de sens là, de l'autre sens. Il y a la personne en bas, de toute façon. C'est pas possible. À 537.49. Où est-ce radio? Bah, j'ai essayé de chercher, tu vois, mais j'ai pas réellement trouvé de... Déjà, les Aston Martin 4 places. C'est pas top. Ah, Aston Martin, c'est deux places. On reste dans la série des DB. Alors, DB5, DB10, DB11, DB9. Voilà, il devrait faire que ça, en fait, que des DB. Regardez, attends, je vais faire ça. Google, où es-tu? Hop. Donc, à faire. De toute façon, là, c'est live chill hein, ce soir. On va parler un petit peu de Toussaint, hein, du fils. On va élaborer quelques théories. Comment on va parler un petit peu de, du coup, pareil, de la création de l'armée. Hein. Essayer de voir si on peut choper Stark au passage. Alors. Image, hop là. Oh putain, les cookies, il faut toujours accepter les cookies, les machins. Non, c'est pas là. Quoique non, en fait. Non, là, la rapide est beaucoup plus propre. Attendez, je vais retourner là-bas. J'espère qu'elle y est encore.
Et voilà, le truc c'est qu'en fait les Aston, surtout les toutes celles que j'ai vues, c'était voilà, elles étaient vachement bien. Et quand tu regardes, non, il y est plus. Lui, il y est plus. On va faire un tour qu'on cesse. Hein. Si on a le temps ce soir, hein, très clairement. Temps d'envoyer le message à tout ça, d'attendre que Stark soit là, ou peut-être pas là. Hein. Le Pride me rappelle, parce que d'ailleurs Pride doit me rappeler. Parce que bon, hein, Toussaint a quand même essayé de me prendre pour une buse hier, hein, faut pas se le cacher. Faut pas se le cacher. Rue d'après. Je vais regarder aussi le prix de l'autre voiture pendant qu'on est là. Hein. Pardon. Pardon un petit peu tous ces prix. Du coup, on est sur du. Sur du quoi? Du sport, je crois. Hein. J'ai un truc. Allez, ici. Ah non, ça ressemble un petit peu quand même. Ouais. Il y a un truc, il y a un air. Il y a un air d'Aston quoi. Mais... C'est une... Ah mais c'est une... Ah non, mais c'est pas celle-là, ça c'est la rapide. Ah, celle-là, c'est dans les classiques ou non, berline. Non, c'est pas dans les berlines. Fait que... Elle est dans quoi la 4 places? Je m'en rappelle même plus. Classique. Non, elle est pas dans les classiques. Et... Ah, coupé. C'est dans les coupés. Voilà. Voilà, exemplaire. Exemplaire. Ah oui, effectivement, exemplaire, ça y ressemble un peu. Ça ressemble un peu, effectivement. C'est 31 000 l'exemplaire. C'est intéressant, ça, en voiture 4 places. Une petite voiture 4 places, là, exemplaire. Bon, ça coûte un peu cher, quand même, 31 000. 31 000, ça coûte, hein, hein, un bras. Caché. Ça se le cacher. Mon but à terme c'est d'avoir tous les exemplaires d'Aston hein, du jeu, hein, très clairement, ça je vous le cache pas. Le jour où j'ai toutes les Aston, moi je suis content. Parce que du coup il y a celle-là que j'ai pas. Il y a celle-là que j'ai pas. 31 000. Il y a la... Dans le sport du coup il y avait... Hop. Il y avait la GT... Où est-ce qu'elle est? Voilà, la rapide. Rapide GT. Et d'ailleurs, je prendrai qu'un modèle. Hein. Je prendrai le modèle Rapide GT normal. Hein. Je prendrai pas avec le taux vent. C'est de la merde les taux vent. J'ai pas Delphar, j'ai pas une gueule à avoir une voiture qui s'ouvre avec un couteau, très clairement. donc voilà. Et après il y a celle-là aussi, mais alors attendez, allez où? Ah, il y a des nouvelles voitures qui sont arrivées. Propre. Moi j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles voitures qui sont arrivées parce que celle-là je l'ai pas fait gaffe qu'elle était là. Ah celle-là non plus. Putain, il y a des nouvelles voitures. Alors soit je suis fou, hein, totalement timbré. Il y a des nouvelles voitures qui sont venues.
ont été mis. Ce qui ne serait pas déconnant. Voilà, donc moi j'ai celle-là, la 770. Il y a la Massacro qui est pas top. Hein, les lignes sont pas top, très clairement. Et par contre, il y a celle-là. Hein. La custom, peut-être pas, mais celle-là. Ouh là 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 là. Là, on tape sur de la DB11, hein, mesdames, messieurs, hein, très clairement. Très propre. Je vais voir s'il y a d'autres modèles qui sont arrivés que je n'aurais pas vu. Alors ça, quoi ça? Un véhicule électrique ça? Oh, attendez, y a pas de pot? Y a pas de pot. Ça, c'est donc un véhicule électrique. La Raiden, ça me dit rien du tout. C'est propre, hein. La néon, ça par contre c'est électrique, ça c'est sûr que c'est électrique. Je crois que Frost l'a celle-là. Mais je me demande si celle-là est électrique aussi. Italie GTO, c'était Alto qui avait ça comme véhicule, je crois. Super sportif, voyons voir tout au. Bon, ça c'est la Batmobile, hein, très clairement. Là, bon, ça doit pas tourner par contre. Vu comment c'est, ça doit pas tourner du tout. Ça, c'est pareil, ça doit pas tourner, très clairement. Ça peut tourner. Pour ceux qui étaient au début du serveur, Davis se travaille avec ça, je crois, comme véhicule. Au tout début. Quand le croisait chez les mécanos, il devait se balader, je crois, avec ce véhicule-là, Davis. Je me souviens bien. Bon, ça voilà. Ça, je suis pas fan. Même pas, je sais même pas quel modèle que ça pourrait être. Ça, c'est pareil, ça doit pas tourner un Shuka. Bonjour, vous avez commandé une fusée, hein, bah voilà. Vous achetez ça, c'est foutu, la police ne vous rattrape même pas, je pense. Déjà même non modifié, la police ne vous rattrape pas. Ah, ça c'est une voiture estampillée bière dessus, évidemment, c'est la marque de bière, ça. Ouais, un tourneau, évidemment. Ah, il y a des trucs. Il y a de ces trucs quand même. Être multimilliardaire, qu'il faut faire de la drogue, voilà. Vous pouvez trouver quelqu'un qui fait de la drogue sur le serveur, vous essayez de trouver une personne qui a une super car, clairement. Vu comment il coûte cher, je vais m'acheter un vélo, hein, très clairement. Un petit BMX des familles, je mets une petite couleur noire dessus. Ça me revenir en tout et pour tout à 800 balles. Ça va aller. Le petit vélo de ville aussi qui peut être sympathique, mais. Ça coûte trop cher les voitures, mesdames, messieurs. Voilà. N'achetez pas le véhicule. Du coup, j'en étais où pour le message de Toussaint, moi? Je sais même plus, parce que je m'étais arrêté. Tiens, si c'est pas Ron, ça...
Certaines. Ouais, Kiars, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas été. Je vais aller à Kiars voir ce qu'ils ont. Il est quelle heure? 21h40, oui, ça doit être ouvert à Kiars. Et des fois, ils ont des. Un taxi pour 30$, c'est bien aussi. Évidemment, un taxi, c'est bien aussi. Mais voilà, je vais me faire, l'écurie Aston Martin, hein, très clairement. Hein. Toutes les Aston possibles et imaginables, voilà, je récupère. Hein. Ou la chasse du cul. Parce que je vais faire un petit tour chez Kiars, c'est un petit moment que j'ai pas été. En plus, ils ont des fois, ils ont des arrivages comme ça en mode eh, salut, on a un véhicule unique. Je vais voir un petit peu, ça coûte super cher. Là, t'es en mode ah, ça coûte trop cher. Écoutez, je vais essayer de faire de la drogue et puis je reviens là. Hein. Hop, on va prendre là, comme ça on va déjà pouvoir accéder comme un bourrin, on sera déjà sur l'autoroute. Enfin là on n'est pas sur l'autoroute mais bon. Le flic qui vient de me faire chier sur une deux fois de voie. Hop, en trois voies, impeccable. Hop, poussez-moi, excusez-vous, hop, voilà. Oui, il y a des trucs qui ont été retirés de la frontière ici. Ouais, c'est un mélange, effectivement. C'est un mélange. Après, bon, il y a quand même le faux logo Aston Martin dessus, donc bon. Est-ce que à considérer comme une Aston ou pas, la grande question. Et salut GG, comment vas-tu? T'as passé une bonne journée? Va toi tranquillement, hein, parmi nous. Un petit peu le tour des concesses, là j'ai envoyé un message à... Oula, lâche. La chasse du cul dans les virages, hein. Je confirme qu'elle chasse très bien du cul dans les virages. Hein. Bah écoute, moi ça va plutôt bien. Plutôt très bien, à part une petite couille au début de live, hein, comme d'habitude. De toute façon, avec le jeu qui se ferme et compagnie, mais la vie était réglée. Ça passe. donc voilà, chez Kiars, ils n'ont pas des véhicules qui seraient pas sur au Concess. Des fois, ils ont des importations. D'importation, ça peut arriver, donc on va voir ce qu'ils ont. On va parler avec notre belge préféré, évidemment, notre belge national. Notre monarco-belge, je vais l'appeler comme ça. Le monarco-belge. Et c'est affolant cette histoire, par contre. C'est une patinette ce soir, la bagnole. Heureusement que je l'ai blindax, quoi, parce que... Ah, même blindé là, elle a quand même plié, mais bon. Qui a mis du savon sur les pneus de mon Aston, hein? Dénoncez-vous, mesdames, messieurs. Une fois qu'on a réussi à contrôler un peu la patinette, je pense qu'on peut faire des très beaux drifts, mais bon.
Ce n'est pas mon cas, malheureusement. Tiens, mon germe. Ah, mais lui, de toute façon, c'est le premier à défoncer ma bagnole. Hein. Dès qu'il a ouah, bouloum. Il y avait... Non, mais Cars est fermé, sérieusement? Merde alors. Sur le cul. Je suis sur le cul. Bon, bah écoutez. On va se gars sur ce magnifique parking, puis on va envoyer un... Envoyer le message à Germain, hein. Enfin, voilà. Pas trop de 561 aujourd'hui. 561. Alors 561. 561. Réfléchis. Je vois pas. Je vois pas la ref. Alors là, je. Voilà, c'est un truc que j'ai. Là, je vois pas trop. Oui, on chie encore pour écrire le message, moi. Il paraît que je connais ce code LOL. Ah bon? Ah. Bon. Apparemment. Alors si c'est un ref avec ce qui s'est passé hier avec Germain où on était en 10-4, 10-34, 10 mes couilles et 10 bidules, je vois pas trop. Hein. Je vois pas trop. Taf. Alors là, attends. Le seul truc qui me vient comme ça en tête, c'est un décret de loi, mais. Décret de loi. Mais alors, ou alors j'ai un. En même temps, je suis fatigué, mais. Je verrai après. Je vais taper le message pour tout ça, mais. À part un décret de loi, c'est tout. Tout l'aspect, pépépépé.
Le code main courante. Ah. Ah ça c'est... Non, ah oui. L'article 22 plutôt pour la main courante. L'article 22 numéro toi comme tu peux, prends la main courante et... Walou. Du coup... hop là. Toutes les salades. Oula, qu'est-ce que quand j'écris ça? D-E-R là. Je me doute, une seule fois. Que. La suite. Là, le P. Échec et des apostrophes. Merde. Constater. On part avant. Excusez-moi, c'est un peu long. Donc la discussion d'hier était... un échec monumental.
peu certaine. Certaines rumeurs. Hop. Est-ce qu'on lui marque autre chose? Déjà pas mal. Déjà pas mal, hein, vu la discussion qu'on a eue hier. On va voir comment il répond à tout ça, très clairement. Bon, bah on va aller faire réparer la voiture, parce qu'elle a un petit peu explosé. Je ne vous le cache pas. On va voir s'il y a Monsieur Désiré. Monsieur Désiré ou... Comment ça s'appelle ? Audure. On va parler un petit peu... pour savoir qu'est-ce qu'il fout avec Gray, quoi, dans le cabinet de Gray, en tant qu'avocat. La frelon. Voiture abandonnée. C'est dangereux, hein. Pleine balle dans le virage ici. La dernière fois, je me suis retrouvé sur le toit, dans le ravin. Bon. Faites légèrement dangereux, ça va être tout coup. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live, hein. Installez-vous tranquillement. Bonsoir tout le monde. Ah, j'ai quasiment plus d'essence non plus, ça fait long, c'est... Faire le plein, réparer la voiture. Et hop. Rentre dans la station service en plein. En gros frein à main. Frein à main sur la bagnole parce qu'on arrive trop vite évidemment. Et du coup, pour le, et malheureusement, il y a pas Leroy. Donc, je vais quand même vous donner le, pour ceux qui n'étaient pas là hier, le nom que j'ai proposé pour l'armée, qui a fait, je pense, grandement sourire Leroy. Où est-ce que c'est ? Oui. Pour voilà. Là, je pense qu'il va reconnaître la référence tout de suite, évidemment. Nom potentiel, ça serait l'unité stratégique habilitée à l'intervention d'élimination et à la logistique défensive. Évidemment, ceux qui sont un peu doués, je vous laisse deviner d'où tient cette magnifique phrase qui était d'ailleurs modifiée. Enfin, j'ai pas pris la phrase exacte, mais bon, il y en a qui. Peut-être pouvoir trouver, clairement. Évidemment, là c'est le nom complet. On prendra les lettres de chaque nom, hein, pour faire le. Faire comme le reste, hein, comme le reste des choses, comme le cul, comme le père, comme le fils, hein, pour réduire le nom parce que sinon c'est trop long. Donc voilà, pour voir un petit peu s'il y en a qui ont la ref quand même. Pour vous aider, vous pouvez enlever le mot unité. Hein, y a personne ? Qu'est-ce qui se passe ce soir pour qu'il y ait personne nulle part là ?
C'est une histoire de dingue. Histoire de dingue. Bon, bah, personne ici, je pense. Je vais quand même appeler, mais. Les lures. Bonjour. C'est fermé. Bon, l'entreprise est fermée. Bon, on va retourner à Los Santos. C'est fermé. Retourner au SRC. On va aller voir Unicorn s'il y a du monde, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne sur. Personne là-bas au. À 15, personne. Je l'ai dur, j'ai vu personne au Yoga quand je suis passé. Il n'y aurait personne à Monarchie, ce serait étonnant. Étonnant. À moins qu'ils font une fête quelque part. Hein. Un truc réservé à la Monarchie. J'ai pas fait gaffe, parce que je regarde pas les. Il n'y a pas les news monarchiques, mais c'est pour qu'il y a un truc quelque part, hein. Ou qu'il y a un truc à la con. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il y a eu un accident, mais en fait, non, c'est les PNJ qui font n'importe quoi encore. D'ailleurs, il est eu comment son carte? On les récupère, on peut les voler où les cartes? Je vois mal où est-ce qu'on peut récupérer les kartings en fait dans GTA? L'autre tout à l'heure il a réussi à piquer un carte mais il l'a piqué où C'est moi ou ça me focus C'est moi ou ce véhicule me focus Peut-être attendre un peu avant d'aller au... Ah rip. C'est vrai que ma voiture est blindax hein. Ah bonsoir. Salut Delforge. Ah comment ça va? Ça va et toi? Oh bah tranquille écoute, j'ai ressorti la petite voiture là, tranquillement. Je passe au Comico, tiens, pour voir un petit peu où son était là sur le assemblage de saisie. Avance tranquillement, d'après ce que j'ai compris. Bonjour. Donc voilà. Ouais. C'est pas trop. Je sais qu'il y a un BPC là en monarchie, je vais y aller. Ah, c'est pour ça que j'ai vu personne en monarchie.
Bah en fait, ouais, je viens de l'apprendre à l'instant. Moi, je me suis allé partout en ville, je croise personne, personne au bar, etc. Il y a une soirée à 23h en Unicorn, si j'ai bien compris. Un Unicorn Ranch. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais bon, ça, bon je peux y aller, mais c'est pas mon truc. Hein. Bonjour. Bah là, des infos que j'ai, il y a pas mal de combattants en BBC, j'ai la position, donc je vais y aller si tu veux me suivre après. Bah c'est à Paleto, je pense. J'en sais rien. Excusez-moi, monsieur. Attends, bah je vais regarder, il m'a donné le point, attends. Bah ouais, parce que ça va être à Paleto ou voilà, à l'Octogone. C'est en bas. C'est à Los Santos. S'occuper de police. Ah ouais? Ah bah surtout ils sont peut-être tous à la salle de boxe là qui est juste là. C'est non, c'est à côté, côté du parking est, je te le disais. Ah d'accord. C'est bizarre ça. Bah ouais. Bien sûr. Juste là, s'il te plaît. Étrange cette histoire de BPC au parking est. Bizarre. Ouais, étrange. Bon, il y a quand même des salles de... Il y a maintenant, on a Mafic Ring ici, en monarchie, ils ont le... Ouais, ils m'ont bien validé que c'était bien ici, à LS. Ouais, c'est chelou. Ouais, c'est bon. Appelle-moi Maraudeur. J'aime bien si t'es pas Maraudeur. Ouais, qu'est-ce que ça raconte de beau, là? T'as été voté? Ouais, j'ai été voté hier. Hier, je crois. J'ai voté pour indépendance, hein, de toute façon, que ce soit ce parti-là ou le parti d'après qui... Ils fassent leur référendum décalé, c'est pour l'indépendance. C'est le... Bah oui, c'est sûr. Donc que ce soit fait maintenant ou plus tard, hein. Ça n'a pas changé grand chose. J'ai voté pour, de toute façon. Bon. Allô. J'ai pas vu grand monde hier voter. Moi quand j'étais, il y a personne. Si, il y avait tout ça. Ouais, j'ai croisé quelques personnes quand même. Mais ouais, non, c'était plutôt calme là ces derniers jours. Bah, réunion du père et de Laura hier, donc déjà t'as la moitié de la ville qui est pas là. Ouais, bah moi je suis passé à la réunion du père, et puis Laura, je sais même pas qu'il y avait une réunion pour te dire. Si, ils ont recruté pas mal de monde là, ce qui paraît. Ouais, mais... Pourtant, mais pour eux, au moins, il y a un deuxième parti politique. Bah, il faut, c'est ça. Ouais, ce serait bien qu'il y en ait un troisième aussi, ce serait au moins... En vrai, l'équilibre parfait, voilà. C'est qu'il y en a au moins 4. C'est vrai. Au-delà, bon après ça se posera plus, mais c'est dommage c'est qu'il n'y ait pas de parti contre l'indépendance, parce qu'en soi Laura n'est pas contre l'indépendance. Oui. Merci. Ils sont contre le... Ils sont contre sur la façon de faire, je crois. D'après ce que j'ai compris. Non. Ils sont sur le fait que c'est... Et moi je suis assez d'accord, malgré que je suis parti du père, que c'est du bullshit, qu'on nous dit que ça c'est géré, sauf qu'il n'y a rien qui est géré. On veut faire des achats sans savoir comment on va les rentabiliser. Y a pas d'études, y a rien, y a que dalle. Ouais. Bah après, moi j'ai demandé les comptes l'autre coup de la mairie, y avait pas mal de pognon, hein, je me rappelle plus combien y avait, mais. Non, mais on sait, mais on s'en doute, hein. Mais. Parce que moi je voulais m'y opposer aussi à ce qu'on le fasse maintenant, et je me suis opposé au père. Et je leur ai dit, les gars, je sais qu'il y a du pognon, mais faut nous expliquer aussi, parce que bon. C'est comme nos grands-parents, ce qu'il me disait mon père, hein. Si c'est pour que nous on ait plein de trucs etc. maintenant, mais qu'après dans 2 ans on soit dans une galère pas possible avec des taxes à 50%, ça m'intéresse pas, tu vois. Oui, effectivement. Si derrière ils me prouvent que on est rentable, que même avec des achats, par exemple, parce que je sais pas, ils avaient parlé je crois d'achats militaires, s'ils achètent, je sais pas, je dis une connerie, un tank. Donc si t'en achètes combien, comment tu fais, parce que ça doit coûter une blinde, tu vois. Ah oui, ça coûte assez cher, effectivement. Enfin, c'est ça les questions, et au-delà des questions de Laura, c'est des questions simples de citoyens, c'est juste qu'Aura joue là-dessus. Hein. Oui. Mais je suis désolé, hein, moi le blabla, j'en ai ras le cul. Bah, ce qui me dérange, tu vois, il y a deux façons de faire, tu vois, t'as le père qui fait une affiche pour dire oui au truc, et t'as Laura qui fait un discours de 7 minutes pour dire un truc qui pourrait dire en 30 secondes sur une affiche. C'est un peu. Voilà. Bah ouais, mais ça c'est de la communication. Ouais, bah après 7 minutes ça fait long, hein, clairement. Faut qu'il se montre, faut qu'il montre sa personnalité. Oui. Ouais. Du coup, moi c'est pour réparer ma voiture, j'ai eu un petit accident. Ok. Oui, c'est moi. Enfin bref, mais de toute façon. L'ouvrir, s'il vous plaît. Après, ce qui est dommage, c'est que. Mais ça sera pour les prochaines élections, c'est un débat. Ouais, tiens, ouvre ta voiture parce qu'elle est fermée. Ah, elle est fermée. Ouais. Pardon. Non. Moi je suis très intéressé par les débats, d'accord. Et je t'avoue que la dernière fois ça m'a un peu fait chier de prendre la parole lors du discours de Leroy. Là tout à l'heure.
Bah, c'est dommage, oui, c'est dommage. Il faut... Mais j'espère qu'il y aura des débats avant le 30, quand même. Hein. Avant le 31, quoi. Parce que moi, en tant que procureur, j'aime pas trop prendre la parole, mais quand j'entends que personne pose des questions, surtout que c'était pas les questions qui m'intéressent, ça me saoule un peu. Ouais, bah, je pensais que. Bah, déjà, je pensais que les... quand il y a eu la monarchie, que les mecs allaient poser plus de questions, quand même, la monarchie, là. Poser plus de questions que ça, et puis bon, après, moi, de toute façon, la politique, on carre un peu le cul, quoi. Bon, Bah, c'est pas que je m'en carre réellement le cul, mais c'est que bon, de toute façon, les deux parties font la même chose. Moi, donc, là-bas, je déteste la politique, hein. Je me suis mis dans la politique parce que William a convaincu qu'il fallait quand même, en tant que citoyen, s'intéresser. Sinon, le jour où t'as une entreprise, tu peux te faire baiser, le jour où t'as ceci, tu peux te faire baiser. Ouais. Bah voilà, on te baisse tous, quoi. Donc, c'est important de. Après, les gens s'intéressent toujours plus quand ça les concerne. Effectivement. Après, bon, on reste à un bon début, et comme t'as dit, c'est vrai que ce serait bien qu'on ait un troisième. Au moins un troisième, ça. Ouais, ça serait bien. Au moins, on aurait un petit triangle politique, là. Bah ouais, clairement, oui. Parce que bon, un discours avec deux personnes, enfin deux... Un débat avec deux personnes, bon, bah ça va vite, quoi. Bah oui, clairement. Bah, le seul qui était intéressant, c'était celui d'Alan Alto contre William Glenn. Hein. C'est vrai qu'il était pas mal, un discours. Ah ouais. C'est que la customisé. Je sais pas du tout, mais il est vraiment talentueux, celui qui l'a customisé. Waouh. Je suis flatté. Je le sucerais bien derrière un arbuste. Ah non, quand même pas. Bon bah, quand même pas alors. Et voilà. Merci. Merci bien, bonne soirée. Bon bah, je vais au BPC. Ouais, ok. Tu m'envoies un message. Ok, y'a pas de soucis. Bah moi, j'ai eu un léger accident sur l'autoroute. Ma voiture a chassé du cube puissant et j'ai tapé la barre de sécurité à l'arrière, là. Ok, c'était près d'une... mince, comment on dit ? D'une frontière ? Bah c'est en monarchie, hein, de toute façon, il n'y a qu'un monarchie qui... Ok. Disons que là, je suis tout seul, je reçois des appels et j'ai eu un appel d'accident près d'une frontière. Ah non, bah, c'était... non. Je roulais tranquillement, et du coup la voiture a chassé du cul, j'ai tapé la rambarde, bon, voilà, après... Ok, et voilà, bah, on va voir pas grand chose d'autre. Bah bravo, il monte dedans, paf, il explose encore tout. Ah là là. C'est qui ça, je sais pas. Ah. Eh, bonsoir. Bonsoir monsieur. Ah. Ça va comme vous voulez. Oh bah écoutez, ça va tranquillement. Apparemment il y a qu'un mécano, il est surbooké, c'est affolant. Ouais, bah c'est ce que j'ai vu. C'est pour ça que je lui ai dit, il est venu me voir, je lui ai dit bah occupez-vous des monsieur avant. Vous étiez là avant moi, alors c'est la politesse. Ah oui. Ah, là, vous êtes monsieur? Monsieur Winchester. Bon, enchanté. Maître Delfarge, avocat de Los Santos. Avocat ? Ouais, oui. Bon, c'est beau à savoir, ça. Oui, effectivement, ça peut servir ça en cas de... Ça peut toujours servir. Cas de problème. Bah écoutez, mon numéro, c'est le 555-5994. Attendez. Parce que... Salut, Tonius. J'ai pas encore Alzheimer, mais là, ça a été un peu trop vite. C'est vrai que j'ai l'habitude que... Voilà. Avec mon ancien métier... Delfarge, D-L-F-R-G-E. Non mais je vous ai juste mis avocat. Ok, d'accord. Et c'est le 555-5994. Je répète, 555-5994. Eh, tout à fait. C'est beau, c'est noté. Ah bah, impeccable. Si vous avez problème avec la police, hein, n'hésitez pas à appeler. Vous inquiétez pas, je ferai appel à vous. Ah, très bien. J'espère que vos honoraires et sont voilà, pas monsieur Delfarge, je vous fais la petite facture. Ouais. Non, ça va, mes honoraires sont au minimum autorisés par la loi. Donc, Et vous faites aussi avocat commis voilà. D'office ? Aussi, effectivement. Voilà. Aussi commis d'office. Mais quand la police m'interpellera, je dirai : je veux un avocat commis d'office. Oui. Ah, voilà, impeccable. Bon bah écoutez, moi je vais y aller parce que apparemment il y a un bourpif là. Donc, c'est là où je me rendais avant que ma voiture rencontre un poteau, un unicorne. Ah oui. Ah oui, c'est... D'accord. Bah, regardez, il lui a fait du dégât. Hein. Ah ouais. Allez, bonne soirée monsieur. Bonne soirée. Ok. Allez, je... Excellent. Ah oh, bah d'accord, moi je monte sur ma voiture, tout est normal, tout va bien. Tout est normal. Où est-ce qu'on va ? On va essayer de chercher comme ça. Chercher un petit peu le beau pif machin. Bizarre qu'il fasse pas ça au ça, la salle de boxe.
On va déjà passer devant la salle de boxe, voir si quand même ils y sont. La salle de boxe qui est dans cette rue là, je crois. Non, c'est pas ici. Je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus d'où est la salle de boxe. Sauf que je suis passé devant comme un con, hein. J'ai pas fait gaffe. Ouh, l'esquive du poteau. L'esquive du poteau. Je suis passé devant en fait. Passé devant, j'ai pas fait gaffe. Donc, y a personne à la salle de boxe. Il m'avait dit. Oh non. Il dit parking est. Et parking est, toi. C'est quand même bizarre, mais bon. Il y a des choses étranges dans cette ville, hein. Il y a un magnifique, magnifique endroit pour faire de la boxe et ils font ça en pleine rue. Là. Oula, 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 oula. Si on peut passer par là. Pardon. Puis là, j'ai regardé sur le Discord où est-ce que c'est, mais. Ah, ça va être là, attendez. Ça peut être ici. Il est en fait. Peut-être en dessous, il y a des trucs là. Ah, mais c'est normal, c'est en monarchie, mais putain, quel couillon que je suis. Ça va être ici du coup. Le Bourpif Club. Là. C'est pour Philippe ça? Philippe? Oh, Philippe. Qu'est-ce que c'est? Allez voir, je vois le gars qui est là-bas. Non, c'est pas Philippe. Et bonjour! Eh, hey, salut, salut. C'est bon, bien toi? Ouais, ça va, hein. Le bourre-pipe, c'est ici, là? Ouais, c'est sur le silo qu'on voit juste devant là-bas. Ah, ok, d'accord. Bah, je pense qu'il faut pas y aller sans armes et compagnie. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ouais, bon, bah. Plutôt chiant. Effectivement. Tu mets bon. Voilà, on range tout et puis. Ouais, bon, j'aurais pu avoir de place dans ma bagnole, j'ai déjà mon club de golf et mon mat de baseball, donc bon, ouais, j'avoue que. Non, bah, c'est pas grave, on gérerait pas, et puis. Voilà. J'irai plus tard, de toute façon. Bah, il va y avoir des mecs se battre, hein, c'est ce que je vois. Ouais, fois que, façon, chaque fois que je suis au tribunal. Donc, t'allais bosser, moi. Ouais, en plus. Ah, ouais, ok, ok. Ok, écoute. Là, bon, je regarde dans mes poches une dernière fois. Ouais, bon, allez, à plus tard. Ouais, à plus tard, ça marche. Ah là 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 là. Du coup, j'avais d'autres trucs à faire. J'avais d'autres trucs à faire. Hop, alors attends que je regarde un truc. T'es du monde. Hop, j'ouvre le truc. Alors, je pense, mesdames, messieurs, que je vais m'arrêter là. Je vais faire un raid. Ne bougez absolument pas. Hein. Je sais pas, je vais faire un raid chez quelqu'un qui live sur Altica. Vous voyez quand même un peu le bourre-pif et compagnie.
Donc j'attends que je regarde là. Voilà, je vais faire un raid. Hop, en plus vous êtes quand même pas mal, hein, vous êtes 13. Ça fait plaisir de voir autant de personnes. Hop, donc hop là. Faire un petit raid. Lancer un. Et moi je vous remercie à tous d'être passés, déjà, c'est très gentil. Je vous remercie à tous d'être passés et voilà, j'espère que vous appréciez cette session de roleplay. Hop, allez-y. N'hésitez pas à aller dire bonjour et compagnie. Et je sais qu'elle est allée là-haut, tranquillement en train de regarder le match du magnifique combat, donc voilà. Donc moi je vous dis à plus tard, peut-être pas demain. Je pense que demain je serai off, mais peut-être après-demain. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine et merci d'être passé.